Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom qui est élevé, le nom qui est souverainement élevé, le nom qui nous a été donné pour la guérison, la force, la joie, le nom dans lequel nous trouvons la vie éternelle, le nom qui nous garde, qui nous protège, le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes en train de suivre la chambre de prière. Nous sommes dans la chambre de prière, une chambre pour passer du temps dans la présence de Dieu, enfin de prier, enfin de passer de moments merveilleux dans la présence de Dieu, parce que nous avons besoin de cette intimité-là avec les Seigneurs. Que Dieu vous bénisse et que les Seigneurs vous soient favorables. Eh bien, je m'appelle Eddy Kadima. Encore une fois de plus, merci d'être fidèle à ce programme de prière. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous rendre compte qu'il y a de ces personnes qui sont contre vous alors que vous n'avez pas de problème avec eux? Tout va très bien, tout allait très bien. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, vous parlez très bien au téléphone, mais d'un coup, une situation s'est mise en cours de route et tout a changé. Tu commences à te poser la question, qu'ai-je fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a causé ce problème ici? Au-delà de cela, il y a aussi de ces situations que nous rencontrons. Toi-même, tu te poses la question, qu'est-ce que je fais pour mériter cela? Eh bien, chers amis, je voudrais tout simplement dire que au moment où nous en sommes, nous ne savons pas qui est qui, nous ne savons pas les personnes que nous sommes en train de côtoyer. C'est là, parmi nos amis, il y a aussi ces personnes-là qui ne nous aiment pas. Parmi les membres de nos familles, il y a aussi de ces personnes-là qui ne nous aiment pas. Il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas être aussi avec nous. Il y a d'autres personnes qui viennent autour de nous. Nous parlons, nous causons, nous sommes en train de rire, nous partageons des choses, mais il y a de ceux-là qui ne dorment pas bien, il y a de ceux-là qui ont un dent contre nous. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais que nous puissions tout simplement prier et que nous puissions nous demander pourquoi ils en veulent à ma vie. Pourquoi ils en veulent à ma vie? Pourquoi est-ce qu'ils sont contre moi? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas de moi? Pourquoi est-ce qu'ils pensent du mal contre moi? J'aimerais déjà dire à quelqu'un que là dehors, il y a des personnes qui ne veulent pas à ce que nous puissions exceller. Là dehors, il y a des personnes qui ne nous aiment pas parce que tout simplement nous sommes enfants de Dieu. Là dehors, il y a de ces personnes-là qui nous accusent chaque jour. Là dehors, il y a de ces personnes-là, quand on parle de toi, ils tournent leur regard à côté parce qu'ils ont la haine et ils ont des pensées vraiment maléfiques contre toi. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons nous poser cette question-là. Pourquoi ils en veulent à notre vie? Pourquoi ils en veulent à notre famille? Pourquoi ils en veulent à notre travail? Pourquoi ils en veulent à notre être? Pourquoi et pourquoi et pourquoi? Eh bien, j'aimerais tout simplement te dire qu'à cette question-là, il n'y a pas de réponse, tout simplement parce que nous avons un ennemi et il sera toujours contre nous. Vous savez, Jésus-Christ faisait du bien. La Bible dit qu'il allait de ville en ville et il accomplissait de merveilles. Il accomplissait de grandes choses. Tout le monde voyait le miracle qu'il accomplissait. Tout le monde voyait comment il touchait, comment est-ce qu'il changeait la vie des personnes. Mais seulement les mêmes personnes qui connaissaient la vie médiocre de ceux-là qui étaient guéris, de ceux-là qui avaient trouvé le miracle. Mais cependant, ce sont des personnes qui parlaient toujours du mal contre Jésus-Christ. Ce jour-là, alors que Pilate avait donc poser la question, qui voulez-vous que je puisse donc libérer? Il y a d'autres qui ont dit Barnabas, il y a d'autres qui ont cherché à dire Jésus-Christ, mais la majorité ne voulait pas de Jésus-Christ. Mais quand nous lisons la Bible, y avait-il quelque chose que Jésus-Christ avait fait pour que l'on puisse donc le rejeter? Y avait-il des choses que le Seigneur Jésus-Christ avait faites pour que la population puisse chercher à libérer un gangster, un bandit pour laisser mourir Jésus-Christ? Eh bien, la vie ou ce monde ici n'aime pas les personnes qui font du bien. Eh bien, je vais te dire, aujourd'hui, tu peux être là en train de faire toujours le bien, le bien, le bien. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions faire, que nous puissions faire le bien. Mais il y aura toujours de ces personnes-là, malgré ce que tu fais là, ils seront toujours contre toi. Malgré ce que tu es en train de démontrer, ils seront toujours contre toi. Ils ne voudront pas de toi. Ils ne t'aimeront pas. Ils chercheront toujours à te faire du mal. Eh bien, c'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais t'inviter à lire dans les livres du psaume, le numéro 38, le verset 12e. C'est ce que nous allons lire dans le nom de Jésus.
Psaume le numéro 38, le verset 12e. La Bible dit ceci: ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent de méchanceté et méditent tous les jours des tromperies. La Bible nous le dit. Vous savez, quand nous lisons la vie de David, nous lisons la vie des enfants de Dieu dans la Bible, il y a de ceux-là qui n'avaient absolument rien fait, mais il y a de ces personnes qui voulaient leur mort. Sache-le qu'il y a aussi un accusateur, et cet accusateur-là, c'est le père de tous ceux-là qui en veulent aux enfants de Dieu, et c'est le diable lui-même. Un jour, la Bible dit que le diable est passé alors que Dieu était en réunion avec ses enfants. Le diable qui passait, Dieu a dit: as-tu vu mon serviteur, mon fils Job? Et il a dit: tu les gardes parce que tout simplement tu gardes, il est là, il t'aime parce que tout simplement tu es en train de le protéger. Il y a une personne qui peut nous accuser, il y a des personnes qui nous accuse jour après jour. C'est pourquoi vous verrez que vous êtes dans une relation, une personne qui t'aimait bien, du jour au lendemain, tout a basculé parce qu'il y a une personne qui a mis la zizanie, qui a semé la zizanie. Il y a une personne qui a parlé du mal. La Bible nous dit dans Psaume le 31, le chapitre, le numéro 38, le verset 12, la Bible dit: ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège. Ils en veulent à ma vie, ils sont en train de tendre leur piège. Ils veulent que nous puissions tomber dans leurs embûches. Ils veulent à ce que nous puissions tomber dans leur piège et que nous puissions mourir. Ils veulent ne pas nous voir exceller, aller de l'avant et réussir. Ils nous tendent de pièges pour mettre des limites afin que nous ne puissions aller de l'avant. Eh bien, la question est donc: qui sont ceux qui en veulent à notre vie? C'est qui donc? C'est qui? Déjà, je venais de le dire dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8e. 1 Pierre 5, le verset 8e, la Bible nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il est en train de chercher qui il dévorera. La Bible le mentionne et le déclare comme étant notre ennemi, notre adversaire. C'est lui qui ne nous aime pas, c'est lui qui est contre nous. La Bible dit qu'il est en train de rôder autour de nous. Donc il n'est pas loin de nous, il est autour de nous. Or, quand nous parlons d'autour de nous, nous voyons les amis, nous voyons la famille, nous voyons les collègues, nous voyons les personnes qui sont juste à notre entourage. C'est pourquoi la Bible dit que le diable rôde autour de nous. Ils ne sont pas loin, ils sont là juste aux côtés de nous. Ils sont en train de chercher quoi? La Bible dit qu'ils sont en train de rugir, ils sont en train de voir comment est-ce que nous aurons cette proie, comment est-ce que nous pouvons nous accaparer de cette personne ici. Et la Bible dit, ils cherchent qui ils dévorera. Ils sont en train de chercher qui est-ce qu'ils vont dévorer, qui est-ce qu'ils vont faire tomber, qui est-ce qu'ils vont donc amener dans l'angoisse et dans le mal. C'est pourquoi j'aimerais déjà te dire que nous avons un adversaire. Nous avons cette personne-là qui en veut à notre vie. Cette personne, c'est qui? Le diable. Mais il ne joue jamais seul. Il ne travaille jamais seul. Je venais de le dire qu'autour de nous, il y a de ces personnes qui travaillent avec lui et pour lui. Il travaille avec lui et pour lui. Qu'est-ce donc ce personne-là? Nous trouverons qu'il y a des démons, il y a de ces esprits-là qui sont là, qui s'acharnent à notre être, qui viennent pour nuire à notre pensée, qui viennent enfin de nous détruire et de détruire nos pensées. Ils sont là, les démons. Il y a les anges déchus, ces anges-là qui étaient tombés avec le diable, qui sont venus afin que nous puissions aussi tomber. Eh bien, le diable travaille avec seul. Il ne travaille jamais seul. Il est une personne qui aime travailler en équipe pour qu'il puisse réussir au maximum. C'est pourquoi, bien-aimé, tiens-toi prêt. Sache-le qu'il y a une personne qui est contre toi, mais il ne travaille jamais seul. Notre ennemi principal, c'est le diable. Notre ennemi principal, c'est le diable, Satan. Oh, le diable, mais il ne travaille jamais seul. Il travaille avec ses démons. Il travaille avec ses anges dessus. Au-delà de cela, il travaille aussi avec ses acolytes. Quand je parle des acolytes, je vois déjà les sorciers, je vois déjà le magicien, je vois déjà les occultistes, je vois déjà toutes ces personnes-là qui sont à son travail tout simplement pour nuire et pour faire tomber les enfants
de Dieu. Bien-aimés, si nous résistons, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Eh bien, il y a de ces choses qui se font que nous ne pouvons pas voir, mais que seul Dieu voit et qu'il est en train de travailler pour nous. Bien-aimés, j'aimerais te dire, quoi que tu fasses, sache-le qu'autour de toi, il y a de cela qui en veulent à ta vie. Aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, aussi longtemps que tu es le Fils de Dieu, aussi longtemps que tu marches correctement, aussi longtemps que tu aimes l'Éternel et que tu veux vivre comme son enfant, j'aimerais te dire, aussi longtemps que tu le fais, il y aura toujours des personnes qui seront contre toi. Pas seulement contre toi, contre ton avenir, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton mariage, contre ton travail, contre tout ce que toi tu as. Et bref, ce que je veux dire, c'est qu'ils seront contre toi, no matter what, quel que soit ce que tu fais. Je connais une personne en Afrique. Cette dame ici était mariée à son mari. Ils avaient deux enfants, alors qu'ils n'avaient jamais vu le parent de son mari. Un jour, ils se sont dit, est-ce que tu peux aller au village pour aller visiter ma famille? Cette dame-là a pris ses enfants, elle est allée au village. Arrivée donc au village, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait que quand elle est arrivée, tout allait très bien. Et puisque tout allait très bien, elle a commencé à faire le travail. Elle était gentille, hein? Elle était très gentille. Elle travaillait dans la maison, elle balayait, elle faisait le tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une personne qui était dans cette parcelle-là, une personne qui vivait dans cette parcelle-là, une personne qui était là juste parce que cette personne-là voyait cette femme-là travailler et on l'aimait par sa belle famille. Eh bien, cet homme-là n'était pas du tout content. Bref, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant la nuit, il est allé vers les sorciers. Il a accusé cette femme-là. On a pris cette femme-là, on l'a emprisonnée. Eh bien, le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait qu'il a commencé, que cette dame-là a commencé, elle est tombée malade. Puisqu'elle est tombée malade, elle a commencé à vomir, elle a commencé à pleurer, elle n'avait plus de force. Et voilà que quand elle priait, elle essayait de prier. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé qu'elle faisait cela. Et puisque Dieu a révélé cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré qu'il y avait une personne dans la parcelle qui voulait à ce qu'elle puisse mourir. Eh bien, on est allé poser la question à cet homme-là. Pourquoi est-ce que tu veux la mort de cette fille ici? Pourquoi est-ce que tu veux ça? Et la personne dira, c'est parce que tout simplement, elle s'est fait montrer, elle travaille bien, tout le monde l'aime, je n'aime pas ça. Eh bien, je veux dire, pour tout ce que tu es en train de faire, que ce soit un bien, je mérite te dire qu'il y a toujours des personnes qui ne voudront jamais de toi, qui ne voudront jamais que tu puisses exceller, qui ne voudront jamais te voir en vie. Il y a de ces personnes-là, juste parce que tu es vivant, ils ne veulent pas te voir et ils veulent à ce que tu puisses mourir. Sache-le que même si tu n'as pas de problème avec les autres, mon bien-aimé, sache-le qu'il y a les autres qui ont un problème avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas naïf. Sache-le que même si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, parce que j'ai toujours entendu des personnes qui disent, moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Sache-le, tu peux ne pas avoir de problème avec d'autres personnes, mais sache-le au moins qu'il y aura toujours une personne qui sera contre toi. Il y aura toujours une personne qui ne t'aimera pas. Il y aura toujours une personne qui voudra toujours te faire du mal. Faire du mal à ta famille, faire du mal à ton foyer, faire du mal pour que tu ne puisses pas aller de l'avant. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais c'est que tu puisses te réveiller et que tu saches qu'il y a plusieurs personnes qui en veulent à ta vie. Mais ouais, c'est au-delà de ces personnes-là, il y a une personne qui chapeaute sur le diable qui est notre ennemi. Si Jésus-Christ lui-même, il a dit que votre ennemi, c'est parce qu'il reconnaît que vous avez un ennemi. C'est parce qu'il reconnaît que nous avons un ennemi. Un ennemi qui ne dort pas, un ennemi qui travaille farouchement jour et nuit afin de nous détruire. Bien-aimé, je vais te dire, ne sois pas naïf. Stand up, tiens-toi debout, réveille-toi et ne te laisse pas emporter par les désirs de ce monde ici. Et ne te laisse pas emporter par le plaisir de ce monde ici. Ne te laisse pas emporter par le plaisir de tes amis. Parce que parmi tes amis, il se pourrait qu'il y ait une personne qui ne veut pas de toi. C'est pourquoi lève-toi, réveille-toi, mets-toi debout et sache-le que le Seigneur est avec toi et il veut assez que tu puisses exceller. Je venais de dire, même si tu n'as pas de problème avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a un problème avec toi. Même si tu veux le bien avec les autres, sache-le que les autres ne voudront pas toujours
toujours ton bien. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, mon bien-aimé? Que dois-tu faire? J'aimerais assez que tu puisses te tenir et que tu puisses résister fermement contre le diable. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 7e. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien-aimé, il y a de ces choses-là, tu dois résister contre le diable chaque jour, parce que si tu ne résistes pas et que tu lui laisses seulement une porte ouverte, une fenêtre ouverte, bien-aimé, j'aimerais te dire qu'il ne va pas te laisser, il va chercher cette occasion-là afin de te détruire et te détruire lamentablement. C'est pourquoi toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire, ne te laisse pas emporter par les désirs de ce monde ni par la distraction de ce monde ici. Résiste au diable, résiste au diable. Mais il y a le préalable, comment est-ce que tu peux résister au diable? La Bible le dit clairement dans les livres de Jacques que nous venons de lire, le chapitre 4, le verset 7e. Qu'est-ce donc que la Bible dit? La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu. Donc soyez soumis à la parole de Dieu, soumettez-vous donc à la volonté de Dieu. Reste dans la parole. Quand tu restes dans la parole, c'est alors que tu auras la force de résister contre le diable. Bien-aimé, si le diable avait trouvé le moyen de venir vers Jésus-Christ et de pouvoir le tenter, sache-le que toi aussi tu seras tenté. Si le diable avait utilisé les personnes, les sanhédrins, le prêtre, toutes ces personnes qui étaient autour pour qu'ils puissent amener Jésus-Christ à la croix et le tuer, sache-le qu'il utilisera les mêmes personnes qui sont autour de toi afin de t'amener en bas. Mais la plus grande, notre force repose à la victoire que Jésus-Christ avait donc accomplie à la croix de Golgotha. J'aime beaucoup Jésus-Christ parce qu'il avait tout accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, résistez au diable, résistez jusqu'à la fin, résistez au diable. Mais pour résister, il faudrait que tu puisses te soumettre à l'Éternel. Soumets-toi à la volonté de Dieu, soumets-toi à la volonté de l'Éternel, soumets-toi à la volonté de notre Père. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refuser le malheur dans ta vie. Bien-aimé, refuse le malheur et ne laisse pas le malheur entrer dans ta vie. Laisse que seul Jésus-Christ et son Esprit, que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Pas de malheur. Nous ne voulons pas être malheureux. Nous ne voulons pas mener une vie de malheur, de médiocrité, de pauvreté, une vie de maladie, une vie de bassesse, de culpabilité, de médiocrité. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons vivre dans la vie de l'épanouissement. Nous voulons nous épanouir. Nous voulons vivre la joie. Nous voulons vivre la paix. Nous voulons vivre le bonheur avec l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Quand vous résistez, c'est alors qu'il fuira loin de vous. Qu'est-ce que tu peux donc faire? Et j'aimerais c'est que tu puisses rester à ton œil et que tu sois vigilant. Reste vigilant car le monde est contre nous. Dans le monde dans lequel nous vivons, j'aimerais te dire que tu es là avec Dieu et tout le monde sont contre toi. Le monde entier est donc contre toi. J'aimerais c'est que tu puisses te le mettre, que tu ne sais pas qui est ton ennemi et surtout les personnes qui sont autour de toi. Alors sois vigilant, marche comme Jésus-Christ avait dit, soyez prudent comme le serpent. Je voudrais c'est que tu puisses être prudent comme un serpent. Que Dieu te bénisse. Que faudra-t-il faire? Il faudrait savoir qu'il y a des mercenaires recrutés pour nous empêcher à nous épanouir. Il y a des mercenaires qui sont là, qui travaillent jour et nuit pour le diable, mais contre nous, contre notre être. Bien-aimé, stand up, mets-toi debout et sache-le que tu ne peux pas laisser tranquille le diable, parce que le diable ne te laissera pas tranquille. Que faudra-t-il faire? Que tous ces qu'ils feront soit nul et sans effet, que tu puisses le déclarer de tout ton cœur, que tu puisses le déclarer. C'est pourquoi je t'invite, mon bien-aimé, à prier avec moi. J'aimerais que tu prennes un peu de temps et que tu puisses te tenir devant l'Éternel. J'aimerais que tu puisses te laver. J'aimerais que tu puisses te réorganiser. J'aimerais que tu sois en bonne et due forme avec l'Éternel. Je sais que la parole de Dieu nous dit que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Mais bien-aimé, s'il était arrivé que tu avais chuté et que tu avais tombé, j'aimerais que tu puisses te récupérer. Demande pardon à l'Éternel, demande pardon à notre Dieu, demande pardon afin qu'il puisse
te pardonner et que tu sois en communion avec ce Dieu. Car la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Alors pour te sanctifier, il faudrait que tu sois à cette personne-là qui reconnaît le mal. Si tu avais péché, que tu puisses reconnaître et que tu demandes de tout ton cœur pardon et que tu puisses retourner à l'Éternel. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? J'aimerais que nous puissions prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, nous voici. Dieu de toute puissance, Dieu de toute gloire, Dieu de toute magnificence, Elohim El Shaddai, nous revenons vers toi, n'est-ce pas? Toi, tu nous as agréés, c'est pourquoi tu nous as admises dans ta présence. Oh mon Dieu, mon roi, c'est une joie d'être admis dans la présence du roi de gloire. Oui, je suis devant le Dieu tout-puissant, je suis devant le Seigneur des Seigneurs, je suis devant celui qui est plus merveilleux que tous. Seigneur Dieu de gloire, je m'approche, c'est pourquoi nous venons, afin que tu puisses te souvenir de nous. Lave-nous par ton sang, sanctifie-nous, purifie-nous, garde-nous Seigneur pur devant ton trône, afin que nous puissions être dignes de marcher avec toi. Nous ne voulons pas Seigneur marcher selon nos propres désirs, mais nous voulons Seigneur Dieu de gloire marcher selon ta parole pour ne pas accomplir les désirs de la chair, dans le nom de Jésus Christ. Père éternel, nous prions, alléluia, nous prions dans le nom de Jésus Christ. Mon Dieu, mon roi, lave-nous. Nous reconnaissons que nous avions péché, nous reconnaissons que nous avions mal parlé, nous reconnaissons que nous avions mal agi et que Seigneur nos pensées étaient tournées vers le monde, vers Seigneur Dieu de gloire les choses de ce monde. C'est pourquoi nous te demandons infiniment pardon et nous venons mon Dieu mon roi afin que toi seul puisses exercer ta miséricorde sur nous et que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous Jésus Christ, pardonne-nous El Shaddai, pardonne-nous Papa, nous avons besoin de toi et que toi seul nous puisses nous agréer. C'est pourquoi nous venons afin que tu puisses nous sanctifier par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang qui a été vexé à la croix de Golgotha, car nous voulons Seigneur être purs devant toi et nous puissions Seigneur, que nous voulons c'est que tu puisses nous agréer dans ta présence. C'est dans le nom de Jésus Christ que nous venons. Bien-aimé, j'aimerais ce que tu demandes au Saint-Esprit de te fortifier. Bien-aimé, nous avons besoin de la force, car la Bible dit dans les livres de Jacques, oh soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Bien-aimé, j'aimerais te dire pour que tu puisses résister, il faudrait que l'Esprit du Seigneur t'en donne la force, le courage. C'est pourquoi bien-aimé, j'aimerais c'est que tu puisses te soumettre à Dieu et que tu dis Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de la force spirituelle, j'ai besoin de la force morale, j'ai besoin de la force physique, j'ai besoin de toi et que toi seul puisses être avec moi. Alors que tu es en train d'élever ta voix, nous sommes en train de prier à l'unisson dans le nom de Jésus Christ. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, nous voici, nous venons mon Dieu mon roi, nous nous confions à l'Éternel, nous nous confions à toi cher Saint-Esprit. N'est-ce pas que toi tu es venu pour nous assister, car nous sommes Seigneur Dieu de gloire un peuple sans force. Sans toi Seigneur, nous sommes sans force. C'est pourquoi Seigneur, nous nous recommandons seulement entre toi, tes mains, parce que nous savons que c'est toi qui es notre Dieu et c'est toi qui es notre courage. Bien, oh nous venons Père éternel, nous venons seulement à toi Jésus et que tu puisses nous toucher. Alléluia Jésus, Jésus nous sommes à toi. Alléluia Jésus, Jésus nous sommes à toi. Nous te les demandons dans le nom de Jésus Christ. Fortifie-nous, donne-nous le courage, donne-nous le moyen de pouvoir résister jusqu'à la fin des temps, de pouvoir résister contre le mal, contre le péché, contre le monde des ténèbres, de résister contre le prince de ce monde, afin que nous puissions rester vainqueurs, n'est-ce pas, plus que vainqueurs comme toi Jésus, parce que toi tu as vaincu le monde et tu nous as donné cette victoire. Alors nous ne voulons pas Seigneur Dieu de gloire manquer à cette victoire. C'est pourquoi nous te demandons dans le nom de Jésus, afin qu'Éternel des armées, toi seul puisses nous accorder ta force. Alléluia. Jésus, 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 nous sommes à tes pieds. Nous venons dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire que le diable n'est pas notre ami. Le diable n'est pas notre ami. C'est pourquoi tu vas aller et tu vas refuser toutes les attaques sataniques. Bien-aimé, il y a de ces flèches qui viennent à midi. Il y a de ces tentations qui viennent. Il y a de ces choses qui se font. Alors j'aimerais que tu puisses résister contre le diable. Par la parole, par la puissance que le Seigneur t'a octroyée, il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit impur. Alors tu vas prendre autorité en ce moment et tu es en train de résister aux choses de ce monde, au diable. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dans le nom de Jésus-Christ, Père éternel, je m'en vais refuser, refuser, refuser tout ce qui est du diable, tout ce qui est, Seigneur Dieu de gloire, du monde des ténèbres. Je viens et je résiste, Père éternel, en vertu du pouvoir
pouvoir et de l'autorité que tu m'as octroyé et que tu m'as donné. J'entre, Seigneur Dieu de gloire, dans le camp de l'ennemi. Je résiste au diable. Je refuse tout ce que le diable me propose. Je refuse tout ce qui est des désirs de la chair, la passion de ce monde, la passion de la chair. Je refuse de me compromettre, car le monde cherche à ce que je puisse me compromettre d'une façon ou d'une autre, de la manière dont je vois les choses. Quand je marche, Éternel des armées, c'est pourquoi je voudrais c'est que tu puisses m'assister et que je sois fort et que je marche fort et que je puisse résister jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. C'est pourquoi je suis en train de refuser tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la sorcellerie et de la magie, de l'impureté, bassesse, culpabilité, médiocrité, tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je m'en vais, Seigneur Dieu de gloire, les chasser loin de moi. Je refuse et je refuse. Je refuse et je refuse. Je refuse et je refuse. Je refuse tout ce qui est de la sorcellerie, de la magie. N'est-ce pas, Seigneur Dieu de gloire? Il y a de ceux-là qui ne dorment jamais pendant la nuit, tout simplement pour parler à mon sujet, pour parler, Seigneur Dieu de gloire, contre ma famille, contre mon être. Alors moi, je ne me laisserai pas, Seigneur, asservir par quoi que ce soit. C'est pourquoi je pénètre et j'entre en vertu de l'autorité que tu m'as donnée. Je m'en vais, Seigneur Dieu de gloire, entrer contre le diable, contre la sorcellerie, tous mes ennemis, Seigneur Dieu de gloire, tous ceux-là qui s'élèveront contre ma personne, qui est, Seigneur Dieu de gloire, que cela tombe au nom de Jésus-Christ, que tous ceux-là qui parleront à mal de ma famille, de mon ministère, de mes enfants, de ma femme, Seigneur Dieu de gloire, je viens au devant de toi afin que cela tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe et qu'il puisse encore tomber. C'est ce que je demande, car Éternel des armées, c'est toi qui peux le faire. Alors fais-le, mon Dieu, mon roi. Fais-le, Shama, fais-le, El Shaddai, fais-le, Ben Ezer, fais-le, mon Dieu, mon roi. C'est ce que nous demandons, parce que nous savons que tu es le seul qui peut nous accorder cela. Mon Dieu, mon roi, je refuse toutes tes tentations nocturnes. Je refuse toutes tes tentations, ô Seigneur Dieu de gloire, dans la journée. Je refuse tout ce qui est des acolytes du diable, le démon, les occultistes, le magicien, tous ceux qui veulent nuire à ma vie, à ma santé, à mon être. Je résiste contre eux dans le nom de Jésus. Et je suis en train de les chasser loin de ma vie, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je les détruis et je les renvoie loin, loin de mon être, loin de ma vie, loin de ma personne. Je ne veux pas d'eux, et que ton nom soit glorifié. Alléluia. Père éternel, je demande et je demande encore, manifeste-toi car tu es fidèle. Manifeste-toi car tu es le roi. Manifeste-toi car tu es le Tout-Puissant. Manifeste-toi car tu es El Shaddai. Manifeste-toi car tu es le véritable. Manifeste-toi car c'est toi le meilleur de tous. Alléluia, gloire au Seigneur. 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 Seigneur Dieu de gloire, je ne veux pas que le monde puisse s'abuser de moi et de ma personne. Je ne veux pas, Seigneur, que le diable vienne m'entourer et me détruire. Je ne suis pas une personne qu'on peut détruire, car j'ai l'Éternel en moi. J'ai mon Dieu à moi. C'est pourquoi je prie avec ferveur, tout en connaissant le Dieu que je sers. C'est le Dieu Tout-Puissant, le rocher des âges, l'agneau de Dieu. Je me confie en l'Éternel et je viens, Seigneur Dieu de gloire, que le monde et que tout celui qui s'élèvera contre moi, qu'il ait affaire à toi. C'est pourquoi j'entre dans le camp de mes ennemis et je détruis leurs pensées, je détruis leurs ateliers, je détruis, Seigneur, leurs armes, tout ce qu'ils voudront faire contre moi, que ce soit la maladie, que ce soit, Seigneur, la faiblesse, que ce soit, moi je fais tomber au nom de Jésus, car l'Éternel est ma victoire, il est mon rocher, il est ma bénédiction, il est ma joie, il est le Dieu de ma vie, il est le Seigneur des Seigneurs. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Jésus? Personne ne peut le faire et personne ne peut me toucher, car je connais le Dieu que j'ai, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire, je m'en vais refuser toute tentation maléfique. C'est pourquoi j'entre dans les écoles de mes enfants. Je vais, Seigneur, détruire tous ceux-là qui en veulent à mes enfants, tous ceux qui veulent détourner mes enfants de la pensée de Dieu, dans la pureté de l'Éternel, tous ceux qui veulent à ce que mes enfants tombent. Moi, je le fais tomber au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, les sorciers n'atteindront jamais mes enfants au nom de Jésus-Christ. Les sorciers ne peuvent jamais détruire la vie de mes enfants au nom de Jésus. Oh, les sorciers
cieux ne peuvent pas me détruire, ne peuvent pas me détruire. C'est pourquoi je les renvoie dans le lieu aride au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, chaque chose que mes enfants mangeront, Seigneur Dieu de gloire, je le purifie. Selon que ta parole dit que tout est sanctifié et purifié par la prière et par la parole. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier, mon Dieu, mon roi, que tu puisses purifier, oh, la nourriture que nous achetons partout où nous passons, car le diable peut utiliser, peut passer par la nourriture, il peut passer par les boutiques, il peut passer par des magasins afin de détruire notre être. Et moi, j'entre, je sanctifie tout ce qui entrera dans ma bouche, je sanctifie et je purifie tout ce que je mangerai, tout ce que je boirai, tout ce que ma famille fera, tout ce que nous allons toucher, nous l'avons cela parce que Seigneur, nous t'avons pour roi et nous savons que toi tu es avec nous. Raison pour laquelle nous entrons et nous sommes en train d'écarter le mal du devant de nous, le mal de nous, au nom de Jésus-Christ, nous refusons tout ce qui n'est pas de Dieu et nous les renvoyons loin. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si seulement tu peux élever le nom de l'Éternel, celui qui est le Créateur des cieux et de la terre, celui qui te garde et qui te protège, celui qui ne te laisse pas, mais celui qui est toujours avec toi. Seigneur, nous t'exaltons et nous te bénissons. N'est-ce pas que tu es un bon Dieu? N'est-ce pas que tu es merveilleux pour nous? N'est-ce pas que tu es glorieux pour nous? Et nous le savons, Seigneur, c'est pourquoi nous venons te dire merci. Et nous venons tout simplement t'exalter parce que tu es si merveilleux au nom de Jésus. Bénis donc, Seigneur, notre être. Bénis tout ce que nous sommes. Bénis mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni. Alléluia. Gloire soit rendue à ton nom, Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu es fidèle et tu es toujours là pour nous et que tu ne nous abandonneras pas et que tu ne nous délaisseras pas. Au nom de Jésus, merci pour nos familles, merci pour nos travails, merci pour ta protection qui marche avec nous chaque jour, car tu es avec nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que notre Dieu vous bénisse et merci d'être fidèle à ce programme. Nous sommes toujours dans la prière. Un moment merveilleux que nous passons devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons donc demain. Que le Seigneur soit avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen encore. Que Dieu vous bénisse.